Certains chroniqueurs ne touchent pas à mon poste ont des connaissances on ne peut plus prestigieuses. Intégrée au talk show phare de C8 en 2016, Géraldine Maillet est une des plus proches amies de Julie Gayet. En effet, les deux femmes ont collaboré de nombreuses fois ensemble et en février 2014, Géraldine Maillet avait même fait l'éloge de l'actrice dans les colonnes du journal Le Point. Sauf que qui dit Julie Gayet, dit désormais François Hollande. Depuis qu'ils ont révélé leur amour au grand jour, les deux tourtereaux ne se quittent plus d'une semelle. Pas même pour aller dîner chez Géraldine Maillet. Résultat des courses, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a reçu l'ex-chef de l'État français à son domicile. Ce n'est pas la première fois que Géraldine Maillet croise la route de François Hollande. Il y a quelques mois déjà, la chroniqueuse avait d'ores et déjà confié avoir dîné avec l'homme politique. Mais cette fois-ci, elle s'est carrément donné la peine de détailler le menu. « J'avais fait des linguines al pesto et des fusilli fungi salsiccia » a-t-elle en effet confié à Cyril Hanouna avant de faire son éloge. « Il est très drôle, très second degré. » Après tout, ce n'est pour rien qu'il a remporté le prix de l'humour politique.